Hello, coucou les cils dingotes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour les débutants ou non pour faire un superbe petit panier de Pâques pour y mettre à l'intérieur des petits œufs. Là, j'ai mis un petit tulle avec des petites fleurs dessus de façon à y déposer des petits nœuds. Voilà, et il est tout simple à faire. Donc, on va le faire ensemble. Voilà. Allez, pour aller chercher nos petits œufs de Pâques ou alors mettre les petits œufs de Pâques sur la table. Alors, pour ça, il va vous falloir une base de cardstock. Là, moi, j'ai pris du verre pour changer un petit peu, qui fait 21 par 21. J'ai repris mon vieux massicot. Alors, sur un côté, on va faire un pli à 7 cm. Et un pli à 14 cm. On va faire un quart de tour et on va refaire un pli à 7 cm et un autre pli à 14 cm. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, on va couper juste sur la ligne de marquage qui est ici. J'ai l'impression que c'est pas droit. Si c'est droit. J'ai l'impression que ma ligne de marquage elle est pas droite. J'ai voulu faire ma belle et reprendre mon massicot. Je sais pas, j'ai l'impression, mais c'est droit. Alors, on coupe ici, on coupe ici. Hop. De l'autre côté, au parallèle, on fait la même chose. On coupe, on s'arrête à la ligne de marquage et on fait la même chose ici. Voilà. Alors, sur les deux premiers, on va arrondir les angles. Hop. On fait la même chose ici, la même chose ici. On tourne et on fait la même chose de ce côté-là, la même chose ici. Là, on fait pareil. Et là, on fait pareil. On va marquer nos plis. Voilà. Une fois que ça, c'est fait. Alors. C'est pas trop la peine, je pense. On le marquera après. Oui. Alors, on va mettre notre feuille du côté droit. On va venir couper 4 petits carrés qui font. Alors, je me rappelle plus combien j'ai pris moi. Je crois que c'est 6,5 par 6,5. Et sur le haut. Hop, que je le prenne à l'endroit. On va venir marquer nos arrondis et ancrer les bords. Et on va venir les coller. Tout simplement. Alors des carrés de 6,5 par 6,5 et on arrondit les coins qui vont en haut et ensuite on colle. Alors on fait attention d'être bien centré. Hop, on en prend un autre. Alors moi j'ai ancré les bords avec du vert vu que ma base était verte. On en met un ici. Sur celui du milieu, on n'en met pas. On tourne et on fait la même chose à l'opposé.
Hop. On fait la même chose ici. Et voilà. On le centre bien. Et voilà. Ensuite, après, on va venir marquer le milieu de notre carré qui est de 3,5. On met un petit repère et on fait la même chose de l'autre côté à 3,5. Hop. De façon à ici mettre au milieu et là mettre au milieu. La trace ne se verra plus, de façon à pouvoir coller. D'accord? Alors du coup, on va mettre de la colle ici. Hop, on va coller le premier. On va coller le deuxième. Vous voyez après à peu près où il faut mettre de la colle. Hop. Voilà, comme ça, c'est collé au milieu. Voilà ce que ça donne. Ensuite, après, on va faire la même chose de l'autre côté. On va prendre notre petit repère du milieu. On voit à peu près où il faut mettre de la colle. On colle. On fait attention à se mettre au petit repère pour bien être au milieu. On met de la colle de l'autre côté. Et on colle sur le petit repère qui va se trouver au milieu. Voilà. Donc ça c'est fait. S'il manque un peu de colle, on en remet. Là, il en manque un petit peu, on en remet. De façon à ce que ça colle. Et là, on fait la même chose. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu avant de venir ancrer en fait tous les bords de ma boîte. Et là, du coup, je fais du vert puisque ma structure est verte. Voilà, là je fais la même chose. Et voilà. Maintenant, on va venir couper un morceau de 3 cm par 20 cm qui va nous servir à faire l'anse et on va venir la mettre ici à l'intérieur avec une toute petite agrafe. Donc moi je prends mon agrafeuse et l'agrafe va être ensuite après, on fait attention de bien être au milieu, l'agrafe va être cachée. Ah, elle n'a pas voulu prendre évidemment. On recommence. Ça aurait été étonnant qu'il n'y ait pas une cacahuète. Voilà. Je fais pareil de ce côté-là. Alors, pour faire les petits carrés, j'ai pris une chute, des chutes de papier. Voilà. Et pour faire l'anse, j'ai pris une chute de papier également. Donc, voilà. Alors, ensuite, après, on va venir brancher notre pistolet à colle. On va prendre tout notre petit déco. Ah, j'ai oublié de coller le petit carré qui va au fond. Pareil, c'est un petit carré qui fait 6,5 sur 6,5.
Hop, on va le placer au fond. Tac. Et voilà. Hop. Alors moi, j'ai fait des petits nœuds pour mettre sur les côtés. J'ai pris un petit papillon pour mettre sur le dessus. J'ai pris des petites pâquerettes de chez Babycraft pour mettre. Il m'en manque une pâquerette, je ne sais pas où elle est. J'ai pris plein de petites choses. On va en couper une autre. Le rouleau, il est en fait vendu entièrement. Je ne sais pas combien il y a de mètres. Ce n'est pas marqué. Je vous le mettrai en barre d'infos. Alors, j'ai pris des petits canards pour masquer en fait les agrafes, pour mettre sur le côté. J'ai pris des petits lapins pour mettre ici sur le côté. Et ici en bas, on va mettre une petite marguerite. Et d'un côté, je vais marquer ici en bas. La gourmandise est un bien joli défaut. Voilà. Et puis, je vais mettre tout autour de la dentelle verte que je vais coller à la colle chaude. Voilà. Donc, pour une fois, j'ai tout bien préparé. Il ne reste plus qu'à faire chauffer le pistolet à colle. Voilà, voilà. Hop, mes petits lapins, mes petits poussins, mes petits nœuds, mon ruban, mon petit papillon. Et tout sera bien. Ah, il me manque encore deux petites marguerites. Hop. Pour mettre sur le dessus. Et ça va le faire. Alors. Est-ce que mon pistolet est chaud? Oui, je mets une marguerite ici. Je tourne, je mets une marguerite en bas. Hop, je remets mon pistolet à colle à chauffer. Je mettrai mes nœuds à la fin. Je vais mettre un petit lapin ici. Un petit lapin vert de l'autre côté. Donc c'est les petits lapins que j'ai achetés chez Action, mais moi je viens remettre de la colle dessus parce que je trouve que ça ne colle pas terrible. Hop, un petit lapin ici. Hop, un petit lapin de l'autre côté. Vous allez voir, c'est vite fait. On va essayer de les mettre à la même hauteur. On fait pareil de l'autre côté. Les petits pampans. Moi, je remets de la colle. J'en mets un là. Je prends le dernier. Après, vous n'êtes pas obligé de remettre de la colle sur vos lapins si vous trouvez que ça va coller correctement. Voilà. Mes petits lapins sont collés. Ensuite, après, on va prendre alors ma petite dentelle élastique. Alors déjà, je vais coller à l'intérieur avec de la colle chaude mes petits paniers avec mes petits canards. Hop, on met à l'endroit si possible pour cacher la jonction et hop, il me manque un petit canard.
Et maintenant, on va mettre de la colle tout autour pour coller. Alors, j'ai pas commencé du côté qui est à ma main. C'est pas grave. On met de la colle tout le long et on vient coller. Notre dentelle. On fait ça tout le tour. Hop. On laisse les pattes dépasser légèrement. On fait un petit rond. Là, on descend et on remonte. On descend et on remonte. Voilà. Hop, on continue. On laisse dépasser un petit peu le dernier. Essaye de le mettre bien droit, parce que moi il est un petit peu élastique, mon ruban. On tourne et on vient coller le dernier morceau sur l'autre morceau et on coupe. Voilà, donc là le ruban est collé. Maintenant je n'ai plus qu'à coller mes petits nœuds. Alors, je mets de la colle derrière, j'en mets un là, voilà, je fais la même chose de l'autre côté, je le remonte un petit peu. Ah, ça colle à mon doigt. Je vais pas y arriver, j'ai le doigt collé. Voilà. On retirera les fils après, parce qu'il y en a partout. Oh, ben. Ici, sur l'anse, on va coller une pâquerette. De l'autre côté, on va coller une autre pâquerette. Tac. Et on n'a plus qu'à coller notre petit papillon. Voilà. J'étais prête hein, pour mon tuto. C'était trop bien. Voilà, voilà. Alors, j'ai bien envie ici de mettre la gourmandise est un bien joli défaut. Hop, je le colle ici et voilà. Tac. Et bien voilà nos petites. Nos petits paniers sont terminés, vous avez vu, ça a été très vite. Maintenant, il n'y a plus que les fils de colle à retirer, car ça, c'est toujours le problème. Voilà. Eh bien, deux petits paniers de différentes couleurs qui sont super mignons. Voilà.
pour mettre des œufs de Pâques. Eh bien, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, scrapez bien. Les sildingots, les sildingotes. Bisous, bisous. Ciao, ciao.